John, va ouvrir, s'il te plaît. C'est le 342e gamin qui sonne. Vas-y, je t'en prie. Et voilà. Il dort déjà. Des bonbons, on va sort. Bon, et tardez pas à rentrer maintenant, hein, parce qu'il se fait tard, vous allez commencer à déranger les voisins. Puis on sait jamais, à cette heure-ci, il peut y avoir des types pas nets qui traînent. Hein. Radine. Comment? Vous n'en avez pas donné beaucoup, hein? Non, mais il se fout de moi, lui. Allez, tire-toi, sale gosse. Ah, vous voilà, monsieur O'Brien. Bonjour, madame la shérif. Venez récupérer votre fils, il est affreusement mal élevé. Vous tâcherez de lui apprendre les bonnes manières. Excusez-moi, chérie, en tout cas, pour le déranger. Bon, et laissez pas traîner vos enfants tout seuls la nuit d'Halloween. C'est pas. Bien sûr, chérie. C'est pas prudent. Bien c'est sûr, jamais chérie. Ce qui peut se passer. Bien sûr, chérie. Allez, bonne soirée, shérif, en tout cas. Allez, venez. Ronald. Vous vous sentez prêt à témoigner? On va pouvoir y aller? Monsieur O'Brien, nous vous avons convoqué pour recueillir votre témoignage sur les événements de la nuit du 31 octobre 1974, où votre fils est décédé. Alors, je vais vous poser quelques questions. Pouvez-vous me raconter le déroulement de cette soirée? Moi, ma fille, Elisabeth et mon fils, Timothy, nous sommes allés chercher des bonbons dans le quartier. Bien sûr, mon voisin et ses deux enfants étaient présents également avec nous, jusqu'à cette fameuse maison. Cette fameuse maison? Oui. Enfin, elle était pas éclairée, mais on a quand même voulu aller voir. J'ai attendu un petit peu devant la maison et quelques minutes plus tard, un homme est venu m'ouvrir. Oui, vous le connaissez? Non, j'ai pas vu son visage. Enfin, j'ai pas vu son visage. Je veux dire, il a juste sorti son bras derrière la porte et il m'a donné une poignée de bonbons. Et une fois rentré chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants ont mangé les bonbons. Tu me dis, commencé à avoir mal. Donc, il est parti aux toilettes vomir et ensuite, il s'est évanoui. Nous sommes allés chercher les bonbons jusqu'à cette fameuse maison. Un homme est venu m'ouvrir, j'ai pas vu son visage, j'ai juste sorti son bras derrière la porte et il m'a donné une poignée de bonbons. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un bon mari? C'est un bon père? Il a un bon travail? Les enfants se sont précipités sur les bonbons. Et Tim... Tim est devenu tout blanc tout d'un coup. Appelle les secours! Alors, je l'ai accompagné aux toilettes. Et il a vomi. Et il s'est évanoui. Non! Appelle! C'est un bon mari. C'est un bon père. Tim est devenu tout blanc tout d'un coup. Il a vomi. Il s'est évanoui. Monsieur Betts, vous étiez avec vos enfants pour récolter des bonbons la soirée d'Halloween? Absolument. Il y avait aussi Monsieur O'Brien, avec ses deux enfants avec nous. Et vous êtes restés ensemble tout le temps? Oui, à part un moment, lorsque nous avons sonné à une maison, personne ne répondait. Et alors, comme les enfants s'impatientaient, nous avons continué jusqu'à la maison suivante, sauf Ronald, qui lui avait voulu attendre un petit peu plus longtemps devant la porte. Et lorsqu'il est revenu, je pense que quelqu'un lui avait ouvert, parce qu'il tenait dans sa main un sachet avec des bonbons, les bonbons préférés des enfants d'ailleurs. Les bonbons préférés des enfants?
Oui, vous savez, c'est ces petits tubes remplis de sucre qu'on appelle les Pixie Sticks, je crois, voilà. Et vous êtes sûr que vous avez passé la soirée ensemble? Je me souviens pas de vous avoir vu quand ils sont venus sonner chez moi. Bien justement, nous nous sommes quittés juste avant de venir sonner à votre porte. Monsieur O'Brien, vous ne pouvez vraiment pas me décrire cet homme, même juste quelques détails. Vous m'avez dit qu'il s'agissait d'un homme, c'est ça? Oui, mais je ne l'ai pas vu, je vous dis. Mais... Oui, c'est un homme. Effectivement, son bras était très poilu. Mais il n'a pas parlé plus que ça. Il a donc parlé, alors. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Mais non, mais quand je dis qu'il n'a pas parlé plus que ça, c'est qu'il a expliqué juste des banalités. Les au revoir, les bonsoir. Enfin, vous voyez, quoi. Bah, Ronald, il était sympa. C'était mon voisin depuis longtemps. Mais je pense qu'il avait des problèmes financiers ces derniers temps. Plusieurs fois, j'ai vu les services juridiques qui sont venus toquer à sa porte. Ils sont même venus me demander des renseignements il n'y a pas longtemps. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal chez Ronald ces derniers temps? Un changement? Eh bien, ces derniers temps, il ne me disait plus rien. Il rentrait tard. Je le soupçonne de m'avoir trompé, peut-être. Nous avons aussi quelques soucis financiers. Enfin, ça, c'est rien de grave. Monsieur Melvin, avez-vous vu Monsieur O'Brien le soir d'Halloween? Lui avez-vous donné des bonbons comme il le prétend? J'ai rien à voir dans cette histoire. Je sais pas ce qu'on vous a raconté. Ce soir-là, moi je travaillais. J'étais même pas chez moi. C'est tout de même louche que cet homme ne soit pas sorti sur son palier, vous ne trouvez pas? Mais bien sûr que c'est louche! C'est louche parce que c'est lui qui a tué mes enfants! Il les a empoisonnés, je vous dis! Avec ses bonbons là, ses Pixie Sticks! Vous savez, les bonbons là, on peut pas être ici à l'intérieur! Mais c'est lui qui les a empoisonnés! Today's testimony came from Jimmy Bates, a close friend of the O'Brien family. Bates said that before Halloween, O'Brien asked if he could bring his children over to trick-or-treat with the Bates children on Halloween night. Both families ate dinner together, and then the fathers took the children trick-or-treat.